Alors, je suis sociologue, fille de sociologue. Alors, comme Obélix, je suis tombée dans la marmite étant petite, mais moi, ce n'est pas la potion magique, c'est la sociologie. Donc, je vais un peu expliquer qu'est-ce que c'était que cette marmite et qu'est-ce qui bouillait dedans, parce que ça a été important dans toute ma carrière. Il y a des thèmes qui m'intéressent, voire qui m'obsèdent depuis l'adolescence ou la fin de ma jeunesse, mes études. Donc, ça fait longtemps que ces thèmes-là sont présents en moi, donc je vais en parler. Et je vais parler aussi, dans tout mon propos, beaucoup de personnes. Parce que le travail intellectuel, ça ne se fait pas dans une tour d'ivoire isolée. Donc, il y a des personnes qui ont jalonné mon parcours et qui ont été importantes. Et ce n'est pas nécessairement celles auxquelles on pourrait penser a priori. Tout le monde me dit sociologue, fille de sociologue, c'est sûrement ton père qui a été plus déterminant dans ta démarche. Et pourtant, non. Mais voilà. Je vais expliquer tout ça. Donc, la marmite dans laquelle je suis tombée, donc celle de la sociologie, il y a deux volets dans cette marmite. Bon, premièrement, il y avait une bibliothèque chez nous. Mon père avait une petite pièce qui lui servait de bureau. Je dis petite parce que je compare à celle de Fernand Dumont qui était immense. Papa, il y avait un petit bureau. Mais là-dedans, il y avait des tas de livres qui, dès que j'ai su lire, me fascinaient. Les titres me fascinaient. Alors, il y avait des livres comme Triste Tropique de Lévi-Strauss. Il y avait L'Afrique noire est mal partie. Ça, ce titre-là de Balandier me troublait beaucoup. Il y avait La mentalité primitive de Lévi-Brault. Ça aussi, c'était assez intriguant. Il y avait d'autres livres. Il y avait Le suicide de Durkheim, Les règles, la méthode de Durkheim. Et Durkheim, c'est un nom que j'avais entendu. Je savais que c'était important. Il y avait aussi Franz Boas, Primitive Art. Donc, c'est des livres que longtemps je n'ai fait que regarder. Et puis, quand j'ai été un peu plus vieille, à l'adolescence, je me suis mis à les lire. Et je dirais que c'était des lectures sauvages parce que je n'étais pas vraiment préparée à ces lectures-là. Je les lisais parce que ça m'intriguait. Je lisais ces livres-là. Donc, j'ai commencé assez tôt à lire de la sociologie et de l'anthropologie. Donc, les titres que je viens de mentionner, c'était plutôt des titres d'anthropologie que de sociologie. Pourquoi ceux-là m'intéressaient, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un côté exotique que je présentais là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un premier volet qui est important quand même pour moi, d'avoir pu piger dans cette bibliothèque dès l'adolescence. L'autre élément, c'est que mon père était le maître à penser de toute une génération de jeunes sociologues, politologues et travailleurs sociaux qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque de l'animation sociale. Donc, les animateurs sociaux, c'était les ancêtres des organisateurs communautaires. Et donc, ils travaillaient avec ce qu'on appelait à l'époque des comités de citoyens. Et papa était leur maître à penser, et vraiment, je pèse mes mots. Et ils venaient à la maison, tous ces gens-là, raconter à papa ce qui se passait dans les comités de citoyens où ils œuvraient. Venaient demander conseil, mais pour que papa puisse donner un conseil, alors eux devaient expliquer en long, en large et en travers ce qui se passait dans ces comités de citoyens. Moi, j'avais la permission d'être là, dans le salon, d'écouter, mais je n'avais pas la permission de parler. Donc, j'étais vraiment dans une posture d'écoute et j'essayais de déchiffrer tout ce qu'on disait à l'époque. Pourquoi ils venaient chez nous et pourquoi ils ne voyaient pas papa à l'université, je ne sais pas. Question d'horaire, en tout cas, ils venaient chez nous. Et il y en a plusieurs qui venaient chez nous, mais un de ceux qui venait régulièrement et dont je vais parler un bref instant, c'est Pierre Racicot, qui travaillait à l'époque avec le comité de citoyens de ce qu'on appelait l'ER10. L'ER10, c'était Saint-Roch. Et les gens du comité de citoyens de l'ER10, ils militaient à l'époque pour faire enlever les tracts, les voies ferrées de l'ancienne gare de triage pour redonner accès à la rivière Saint-Charles. Alors, Racicot venait chez nous, il racontait comment ça fonctionnait dans le comité de citoyens. Donc, le comité de citoyens, ça avait comme objectif de faire émerger des problèmes, de penser à des solutions, puis de faire des pressions pour mettre en application les solutions qu'on avait déterminées ensemble. Alors, il racontait les hauts et les bas du comité de citoyens, le président du comité de citoyens versus les quartiers, le curé, les commerçants, etc. Alors,
Moi, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Alors, il y en avait d'autres qui venaient chez nous. Il y avait une fille qui s'appelait André, je ne me souviens pas de son nom de famille. Elle travaillait avec les gens du comité de citoyens de Saint-Sauveur. Donc, moi, j'absorbais tout ça. Et ma mère, elle, curieusement, était près du comité de citoyens de Lévis à l'époque, parce que ma mère faisait de l'éducation des adultes. Donc, l'éducation des adultes et l'animation sociale, c'est assez proche. Donc, voilà, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. En parenthèse, ce qui était assez fascinant, c'est Pierre Escaut, c'est pour ça que je voulais parler de lui. Son mémoire de maîtrise sur le comité de citoyens de l'ERDIS, en fait, c'est un film qu'il a réalisé. Et son mémoire, qui est à la bibliothèque, c'est sur papier, ce que c'est un document qui raconte comment il a été amené à faire ce film, puis un peu le scénario du film. Mais son mémoire, en fait, c'était un film. Donc ça, déjà, c'est... Je voyais qu'il y avait des possibilités de choses surprenantes qui pouvaient se faire à l'université là. Donc, ça, c'est la marmite dans laquelle je suis tombée. Mais en même temps, c'était les années 60. Donc, moi, mon adolescence, c'était les années 60. Et les années 60, il y avait de la musique. J'ai dit que ma mère faisait de l'animation sociale. Je devrais préciser que ma mère avait repris des études après la naissance de ma sœur la plus jeune. Donc, elle était à l'université, elle était dans un milieu de gens plus jeunes qu'elle. Et là, elle était très sensible à ce qui se passait dans ce milieu-là. Alors, on écoutait beaucoup de musique à la maison et on écoutait aussi bien Georges Brassens que Louis Armstrong ou les concertos brandebourgeois, mais ma mère, sous l'influence des gens qu'elle fréquentait, elle achetait Bob Dylan, Leonard Cohen, elle achetait Pink Floyd, elle achetait Jimi Hendrix, elle achetait toutes sortes de trucs comme ça. Et mon père, lui, avait acheté Charlebois là, dans les premiers. Alors, on était vraiment dans un milieu où culturellement, ça bougeait beaucoup. Moi, je me souviens, le premier spectacle, par ailleurs, que j'ai été voir sans mes parents, c'était Félix Leclerc. Donc, ma mère était la cousine d'une chanteuse qui avait commencé sa carrière en même temps que Gévignon, qui était Marie Savard, qui était la sœur de Rémi Savard. Donc, ma mère est la cousine de Rémi Savard, mais elle était plus proche de Marie. Donc, on était vraiment dans un milieu où, culturellement, là, ça bouillonnait beaucoup. C'était donc aussi les années 60, c'est l'Expo. 67. Alors, je me souviens qu'avec ma mère, j'avais été voir une conférence où on nous expliquait ce que serait l'expo, avec des diapos, mais pas des diapos PowerPoint, là, des vrais diapos pour acheter ça. Avec des plans, des images, des esquisses qui nous montraient ce que serait cette expo. Et quand on est allé à l'expo avec mes parents, des amis nous avaient prêté leur appartement dans le centre-ville de Montréal et c'était la première fois qu'on prenait le métro, toute la famille. Alors, c'était assez fascinant, ce métro qui avait été creusé avec la terre excavée. On avait construit les îles. Il y avait quand même puis quelque chose d'assez extraordinaire. On avait le sentiment qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Puis on arrive à l'expo, ben, les sons, les couleurs, les odeurs, les sensations, les files d'attente, il faisait chaud. C'était vraiment un genre d'effervescence qui, du point de vue culturel, pour moi, ça c'est le point d'orgue de tout ça, c'est quand j'étais en secondaire 5, ou belles lettres, je sais pas si j'étais au collège classique, puis c'était les années de transition, donc on disait aussi bien secondaire 5 que belles lettres. On avait été voir le Stitch Show avec une de mes amies au Palais Montcalm, donc il y avait Robert Charlebois sur scène avec Yvon Deschamps, il y avait Mouffe, Louise Forestier, le Jazz Libre du Québec. Il y avait vraiment une grande effervescence culturelle. Par ailleurs, moi qui avais écouté, 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 à travers ça, j'avais développé beaucoup de sensibilité politique. Et puis, avec une de mes amies, on a fait toute une démarche politique, je pourrais dire, en 68. Donc, cette amie s'appelle Louise. Louise et moi, on avait 15 ans. C'était la Trudeau-manie. Fait qu'on s'est dit, on va toujours bien aller voir ça. Mais on était assez allergique à Trudeau et assez allergique aussi à la Trudeau-manie. Mais on dit, faut aller voir. On est allé voir, puis on n'a pas du tout été convaincus. Ce qui fait que l'automne suivant, c'était le congrès de fondation du Parti québécois. Et là, Louise et moi, on est allés. On avait toujours seulement 15 ans. On s'était fait des fausses cartes pour faire semblant qu'on avait 16. Et on était là au. C'est plutôt drôle. On était là au congrès de fondation du Parti québécois comme observatrice parce qu'on n'avait pas 18 ans, donc on ne pouvait pas voter, mais on était là. Puis là,
on avait les yeux et les oreilles ouverts. Et là, on avait l'impression que là, on était à la bonne place, que c'est là que ça se passait. Et que là, il y avait quelque chose qui s'enclenchait pour l'avenir du Québec. Et à ce moment-là, le Parti québécois, c'était peut-être pas un parti de jeunes, mais c'était un parti où il y avait beaucoup de jeunes. Donc, on détonnait pas trop dans le paysage. Donc là, on était comme un peu aspiré par ça. Et l'été 69, donc après la fin de nos études secondaires, on avait obtenu la permission de nos maires, parce que c'est les maires qui donnaient ce genre de permission, de suivre la caravane du Parti québécois. Donc, Louise et moi, il devait y avoir quelqu'un qui nous chaperonnait, mais je ne m'en souviens plus qui. Bon, tout s'est bien passé. Nos maires ont été bien contents de nous revoir et tout s'était bien passé. Bon, on avait suivi donc cette caravane qui avait fait le tour du Saguenay et du lac Saint-Jean. On arrêtait dans plusieurs villes ou villages, et puis il y avait des conférences, il y avait des repas, et il y avait René Lévesque qui était là, mais aussi plusieurs ténors du Parti québécois. Et il y avait une de nos idoles qui était là, qui était. Il y avait Claude Charron, qui était l'ancien président de l'UGEC, l'Union générale des étudiants du Québec. Pourquoi c'était une de nos idoles, à Louise et moi? C'est parce que en France, il y a eu mai 68, mais au Québec, c'était octobre 68. Et en octobre 68, il y a eu beaucoup d'occupations de collèges et de départements universitaires. Moi, j'allais dans un collège classique, donc il n'y avait pas eu d'occupation. Mais il y avait eu des réunions de représentants de plusieurs collèges classiques, donc des gens de fin du secondaire, du collégial et même des gens de l'université. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour faire le point puis se situer par rapport à cette effervescence. C'est là, par exemple, que j'ai rencontré Marc Chabot, que j'ai recroisé plusieurs fois après sur ma route. Alors, si je résume, à la fin de mon secondaire, j'étais engagée dans le mouvement étudiant, j'étais engagée dans le mouvement nationaliste, j'étais dans un maelstrom culturel, je me sentais comme emportée et les cégeps venaient de naître. Et normalement, j'aurais dû rentrer au cégep Garneau dès la première année de son existence. Arrachement, ça n'a pas fonctionné. Alors, mon père a eu une drôle d'idée. De son point de vue à lui, c'était une excellente idée. De mon point de vue à moi, je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Il nous a amenés au Mexique parce qu'il prenait une année sabbatique. En fait, c'était sa première année sabbatique. Maintenant, on parle d'année d'études et de recherche. Mais pour lui, c'était une année sabbatique. Donc, on allait à Cuernavaca où il y avait le SIDOC. Le SIDOC, c'était le Centre international de documentation. C'était le centre de Ivan Illich. Donc, mon père allait passer l'année, autrement dit, dans le centre où Ivan Illich travaillait. Et donc, de son point de vue, lui, c'était génial, mais de mon point de vue à moi, ça ne l'était pas du tout. Alors, on s'en va au Mexique. Il faut dire qu'on a fait ça en voiture. On a pris un mois pour se rendre au Mexique en voiture. On est descendu vers la Nouvelle-Angleterre où ma mère avait une de ses sœurs qui vivait. Ensuite, on a traversé vers l'ouest. On s'est promené dans les déserts. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires d'un désert après un orage. Tout se met à fleurir. Mon père, en tout cas, il y avait il a décidé qu'on ne changeait pas l'heure, donc on vivait à l'heure de Québec tout le temps. Alors, on arrive au Grand Canyon, au lever du soleil. Mais c'était magnifique, le lever du soleil sur le Grand Canyon. C'est une des choses les plus grandioses que j'ai vues de ma vie. Bon, finalement, on arrive au Mexique par la côte ouest et on arrive à Cuernavaca. Alors, à Cuernavaca, bon, là, on envoie mes sœurs dans une école de sœurs, de religieuses. Oui, il y en a une qui faisait ça, terminait son primaire, l'autre commençait son secondaire. Et moi, on m'envoie à la preparatoria, c'est-à-dire l'école préparatoire à l'université. C'est l'équivalent du cégep, ni plus ni moins. Sauf que quand j'arrive à la prépa, l'année scolaire s'est terminée. Bon, on était pourtant en septembre. Alors, pourquoi l'année scolaire s'est terminée? Il restait 3 semaines de classe. C'est parce qu'on était en 69. Alors, c'était un an après 68. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 68 au Mexique? Vous allez me dire les Jeux olympiques. Oui, bien sûr. Mais il y a eu aussi des grandes manifestations étudiantes en 68. Il y a eu une répression, il y a eu des morts. T'as pas la place Tiananmen, mais il y avait quelque chose d'analogue, un mouvement étudiant important, violemment réprimé, avec des morts dont on n'a jamais su vraiment le nom. Et à la suite de ça, il y avait eu beaucoup de facultés universitaires, de départements ou de prépas qui avaient été fermés. Et pas toutes,
pour la même durée, puis pas tout au même moment. Donc, le calendrier était décalé, c'est recalé tranquillement, mais quand je suis arrivée là, il était décalé. Alors, ça, c'était un premier choc de comprendre pourquoi le calendrier avait été décalé. Alors, mais quand même, j'ai suivi 3 semaines de cours. À peu près ça, après un mois de vacances, là, ça a recommencé. Donc, à la plupart, je suivais des cours de littérature espagnole, de mathématiques, j'allais dire bien sûr, et de philo. Et je devais en suivre d'autres, mais je ne m'en souviens pas. C'est les trois dont je me souviens. J'ai mes notes de cours quelque part dans le fond d'une caisse. La première journée, même si j'avais suivi des cours d'espagnol, à cause de l'accent des gens, puis ils parlaient vite, tout ce que j'étais capable de comprendre, je disais André Fortin, Québec, Canada. Mais au bout de 3 semaines, ça allait parce que j'avais quand même suivi des cours avant. Donc, mais j'ai appris un espagnol de cours d'école, je dois dire. Donc, des fois, j'allais chez des amis de mes parents, puis là, je chantais que je lui avais dit une expression que j'aurais peut-être pas dû dire. Enfin, ça, c'était plutôt drôle. Mais je leur servais souvent d'interprète. Donc, à la plupart, les cours étaient le matin seulement. C'était pour maximiser les locaux, puis ça permettait à une autre cohorte de suivre des cours l'après-midi. Donc, les gens pouvaient suivre des cours tout en travaillant. Puis je me demande si même il n'y avait pas une cohorte du soir. Donc, moi, j'étais à la cohorte du matin, ce qui fait que l'après-midi, bien, je pouvais mettre mes notes de cours au propre, parce qu'au début, je prenais des notes de cours pas mal au son avec le dictionnaire. J'arrivais à comprendre ce que j'avais entendu. Je me suis fait rapidement des amis, puis on se voit. Donc, le Mexique, c'est une année dont j'ai gardé des souvenirs très mitigés. Parce que, bon, il y avait eu cet arrachement qui s'était redoublé par le fait qu'au printemps 70, il y avait eu les élections au Québec, les premières où le Parti québécois s'était présenté. Bon, avec le peu de succès qu'on sait, parce qu'il y avait eu moins de députés. Avec 23% du vote, il y avait eu moins de 10 députés. Donc, ça avait. Mais en même temps, on était. Comme je me sentais loin de tout ça. Mais en même temps, il y avait des tas de choses intéressantes qui se passaient là-bas. Par exemple, rapidement, on a compris qu'il y avait eu beaucoup de répression au Mexique, et on a compris aussi rapidement qu'il y avait beaucoup de corruption au Mexique. Donc, ça se manifestait de différentes façons. J'ai parlé tout à l'heure de la répression après les manifestations étudiantes. Je me souviens qu'une fois, avec mes parents, on avait été rencontrer un prof de sociaux, qui se tairait, mais le mot est vraiment, il se tairait dans un petit village du Mexique. Il était professeur à l'université, mais après ces événements-là, il essayait de se faire oublier dans ce petit village. Et il était manifestement terrorisé à l'idée qu'il aurait pu être emprisonné, voire même tué. Vraiment, il essayait de se faire oublier. Fait que là, ça aussi, quand tu réalises ça, tu dis, ouf, qu'est-ce que c'est ce truc-là? À la première fois, il y avait des gens qui se destinaient, par exemple, à des études de droit ou d'administration. Donc, on avait 16, 17 ans. Ils étaient déjà membres du Parti révolutionnaire institutionnel, qui n'était pas officiellement un parti unique, mais en pratique, c'était un parti unique. Donc, ça, c'est un choc. Les contrastes d'extrême richesse et d'extrême pauvreté, et de réaliser que les gens assez aisés de classe moyenne ou classe moyenne supérieure ne voyaient même plus les pauvres. Moi, je les voyais, ça me sautait aux yeux, mais les gens que je côtoyais, parfois, ne les voyais plus. Moi, parmi les pauvres, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait des jeunes femmes de mon âge, j'avais 16-17 ans, avec des enfants, qui mendiaient. Ça, pour moi, là, c'était vraiment un choc. Donc, mais par ailleurs, il y a des choses intéressantes. Je m'étais fait un chum à l'époque, mexicain. Alors, j'ai rencontré sa famille et j'ai pu observer de l'intérieur les stratégies matrimoniales de ses frères et sœurs. C'était assez poétique. Par ce garçon-là, ben, j'ai été dans des fêtes mexicaines, dans des fêtes de famille, un mariage. À un moment donné, il y avait. Ses parents venaient d'un petit village. Il dit, veux-tu venir avec nous au petit village? Fait que j'embarque avec la famille, puis là, j'arrive dans le petit village, j'étais la gringa, puis tout le monde. Alors les gens m'offraient de l'alcool, de canne, une espèce de truc imbuvable, un poison effrayant, mais en tout cas, bon, ils me faisaient honneur. Donc, j'ai vu beaucoup de choses de l'intérieur, comme ça, du Mexique, et puis qui venaient renforcer ça. Il y a le musée d'anthropologie de la ville de Mexico. Là, on est allé 3-4 fois avec mes parents. Je suis retournée une fois avec une amie aussi. Ça, c'était magnifique. Ça, vraiment, pour moi, c'était une révélation extraordinaire. Je n'ai pas encore parlé de Ivan Illich et de l'école de langue. Alors, au SIDOC de Ivan Illich était rattachée une école de langue.
où allaient étudier tous les, tout, en tout cas, un grand nombre de futurs coopérants ou missionnaires québécois, français, états-uniens. Donc, c'était une espèce de carrefour très dynamique. Alors, j'ai, dans ce contexte-là, croisé une ou deux fois Ivan Illich, que je n'ai pas du tout apprécié comme personne. J'avais le sentiment qu'il n'aimait pas les enfants. Peut-être que cette journée-là, il y avait des enfants turbulents, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ses livres que j'ai lus plus tard, mais lui, comme personne, non. Mais celui que je ne pouvais pas ne pas aimer, c'était François de Lespinay, qui était le responsable de tous les missionnaires français en Amérique latine. Et il était basé à Cuernavaca parce que c'est là que tous ces missionnaires français allaient apprendre l'espagnol. Et lui, ben, comme il était responsable, ben, chaque fois qu'il y en a un qui se mettait les pieds dans les plats, du point de vue personnel ou politique, c'est lui qui allait éteindre le feu puis ramener la brebis égarée, soit à Cuernavaca, soit carrément la renvoyer en France. Il avait une immense maison où il hébergeait plusieurs de ses futurs missionnaires et quelques hippies, parce qu'on était quand même en 69, 70. Et François Despinay, c'était un prêtre, mais il était plutôt large d'esprit, puis les hippies. Qui disait faites l'amour et non la guerre, le Flower Power, il trouvait ça très touchant. L'amour libre, il trouvait ça vraiment touchant, là, c'est émouvant. Alors, il n'était pas contre ça, au contraire. Donc, il en hébergeait quelques-uns et des missionnaires dans une immense maison. Et dans cette immense maison, il faisait des fêtes où étaient invités tous les gens qui gravitaient autour à la fois du SIDOC et de l'école de langue. Et j'ai des souvenirs extraordinaires de ces parties, là. J'étais un peu plus vieille quand même. Et le rhum coulait à flot. Et ça, c'était vraiment... Bon, c'était pas du rhum d'excellente qualité, mais ça coulait à flot. Et il y avait des conversations extraordinaires de tous ces gens qui allaient apprendre les langues, l'espagnol, en fait. Alors, il y avait là des gens qui parlaient français, anglais, espagnol, portugais. Et tout le monde qui était à ces fêtes parlait au moins trois langues. Donc, dans mon cas, je parlais français, espagnol, anglais un peu moins bien, mais je comprenais très bien l'anglais. Puis le portugais, je comprends un peu. Alors, ce qui arrivait dans les conversations, c'est que chacun parlait dans sa langue et les autres répondaient dans la leur. Donc, c'était une espèce de dos et nu, je ne sais pas, c'était un peu surréaliste, ces fêtes bien arrosées. Bon, alors, et à travers ça aussi, on avait rencontré une dame qui venait du Guatemala. Je dis une dame parce qu'elle était quand même plus âgée même que ma mère. Elle était pas mal plus âgée que ma mère, mais elles avaient assez développé une amitié. Alors, c'est une dame du Guatemala, et elle nous racontait le Guatemala. Elle nous racontait la corruption, la répression au Guatemala. Donc, toute cette année au Mexique, c'était une année intellectuellement stimulante, mais très dérangeante. Alors, la fille qui est revenue du Mexique, c'est peut-être pas tout à fait la même que celle qui était partie. Donc, on parle souvent du choc du terrain. Moi, c'était pas un terrain, puisque j'étais là pour étudier, mais c'était vraiment... j'étais pas tout à fait la même. Quoique, il faut que je dise un petit mot sur Michel Blondin, qui était là. Michel Blondin, qui était animateur social, qui travaillait avec le comité de citoyens de Saint-Henri, qui est probablement l'animateur social le plus connu de toute cette période de l'animation sociale, parce qu'il a beaucoup écrit. Donc, il était là en même temps que nous. Et là, les conversations sur l'animation sociale ont repris, mais lui se destinait à devenir coopérant. Il avait comme tourné la page. Mais là, je l'avais bien connu. J'avais même un peu gardé ses enfants. Donc, puis là, j'étais moins dans la posture d'écoute. J'avais eu la permission de parler. J'étais un peu plus vieille. Donc, mais quand je suis revenue, c'était pas tout à fait la même fille. Je reviens au Québec en 70, à l'automne 70. Et là, qu'est-ce qui se passe à l'automne 70? Moi, je suis enchantée de retrouver le cégep, des amis, mon amie Louise avec qui j'ai fait de la politique, Marc Chabot, et d'autres qui gravitaient autour de l'association étudiante. Donc, rapidement, je me suis mis moi aussi à tourner autour de cette association étudiante. C'était l'effervescence, mais ça a été les événements d'octobre.